Le Racing de Narbonne, une équipe en quête de repères en ce début de saison. Un nouveau championnat, une équipe largement remaniée et des adversaires nouveaux, seule constante finalement, les supporters. Le groupe a l'air très sain, il a l'air content de vivre ensemble, ce qui laisse augurer de bons résultats. C'est tout en construction là. Les joueurs se connaissent que depuis un mois et demi, et donc quant à des équipes qui ont déjà du passé, ça va être compliqué. Des supporters divisés sur les chances de leur club cette année, mais pour la nouvelle direction, le Racing se doit d'être ambitieux et donc viser la remontée en Pro D2 le plus vite possible. Ça fait partir de la culture à la maison. Puisqu'on est dans ce schéma-là, il faut qu'on se donne les moyens d'être compétitif quoi, et d'aller le plus loin possible. Et on n'est pas champion de France chaque année, hein, c'est clair, on le sait que c'est compliqué. D'autant plus pour un club en pleine reconstruction. Cet été, la structure professionnelle a été liquidée, seul subsiste l'association. Et l'histoire du club, deux fois champion de France, une source de motivation. Bah au début, ça fait un peu peur parce que on entend des choses, tout ça. Et puis, en fait, on se rend vite compte que ce n'est pas du tout ça et que c'est une grande famille. Et donc, on est rassuré, puis on est excité. Mais attention à l'excès de confiance, car les matchs contre Narbonne seront très attendus par toutes les équipes. Tous les clubs vont jouer contre l'histoire du RCN. Donc, mais bon, nous, on doit écrire notre propre histoire. Une histoire dont la première page s'écrit contre Serré ce samedi à 18h30 au Parc des Sports et de l'Amitié. Bloc, 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 bloc.